الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في صلاة الجنازة قلنا فرض كفاية وهي أربع تكبيرات. on a parlé au niveau de au sujet de la prière de funérailles. C'est une obligation collective. Si certains musulmans ont fait, les autres sont déchargés. Et la prière de l'janaza, c'est quatre takbirat. Après la première takbira, récite al-fatiha. هذا مذهب الشافعي. أما بعض المذاهب يكبر ويدعو يكبر ويدعو في كل بعد كل تكبيرة. أما في المذهب الشافعي بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة. Après le premier takbir, il récite الفاتحة. لكن يجوز أن يؤخر الفاتحة إلى ما بعد التكبيرة. الثالثة أو الرابعة، mais il peut retarder le takbir, il peut retarder الفاتحة pour la troisième et pour l'aula, quatrième, et il récite الفاتحة. ثم الصلاة عنها النبي لابد أن تكون بعد التكبيرة الثانية. Faire الصلاة en faveur du prophète, c'est après la deuxième takbira. Ça, c'est indispensablement. Il faut faire salat ala nabi après le deuxième. لا يصح تقديمها أو تأخيرها. لابد أن تكون بعد الثانية. وبعد الثالثة يدعو للميت. Après la troisième, il fait un dua en faveur du mort. يدعو له بالمغفرة. وهذا الدعاء يكون للصغير والكبير. يعني on peut faire دعاء pour le petit comme pour le grand. اللهم اغفر له وارحمه. ولو كنا نعلم أن الصغير ما ارتكب الذنوب لكن هو يدخل الجنة بفضل الله ورحمته. Le petit, on demande à Allah Ta'ala qu'il lui pardonne. C'est pas parce qu'il a commis des péchés, mais parce que chacun rentre au paradis par la clémence de Dieu Azza wa Jal. والأكمل الدعاء المأثور وهو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله على بعض الموتى، رواه البيهقي وابن حبان وغيرهما. Alors ce dua, ça a été confirmé que le prophète l'a dit en faveur de certains morts parmi les musulmans. Et le hadith rapporté par Al-Bayhaqi, Ibn Hibban et d'autres. قول اللهم اغفر لي أو استغفر الله يقوله الإنسان أحيانا لمحو التقصير وأحيانا للترقي في المقام وأحيانا لمحي محو المعصية. Des fois on dit استغفر الله, c'est pour, يعني parce que j'ai une certaine paresse, une certaine négligence, c'est pas parce que à cause d'un péché. Des fois on dit استغفر الله pour avoir plus de degrés, plus de mérite. Et des fois, on dit astaghfirullah après un péché, après que la personne a désobéi. فالتوبه من ليست من الذنب فقط بل من التقصير ومحو اثار الطبيعه. Des fois, la personne dit je me repens, يعني pour nous, je reviens pas à la paresse, je reviens pas à la négligence. C'est pas toujours la repentance sera pour un péché après un péché. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. يقول أيها الناس إني أتوب إلى الله واستغفره في اليوم 100 مرة. فيا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. Alors dans le hadith rapporté par Ahmed que النبي عليه الصلاة والسلام il a dit oh vous les gens, moi je me réponds à Dieu et je demande le pardon de Dieu par jour 100 fois. Alors repentissez à votre Seigneur et demander le pardon de Dieu. Alors lui, il faisait ça 100 fois par jour. وهذا ليس معناه أن النبي كان يفعل هذا للذنب إنما تكون أحيانا لطلب المقامات العالية. Ça ne veut pas dire que le prophète a commis des péchés puis par la suite il demande le pardon, mais c'est plutôt pour avoir plus de mérite, plus de degrés. أو أحيانا قد تكون لمحو التقصير. Des fois pour يعني voilà, لأن فكره قد ينشغل بأمر من أمور الدنيا اللي هي مباحة، ولكن النبي يحب أن يكون في دوما في المقامات العالية فيستغفر الله من ذلك. Des fois la personne, سيدنا محمد sera occupé de certaines choses dans sa famille ou dans certaines affaires avec les membres de sa famille. Et lui, il voulait qu'il soit toujours dans l'ibadat et taraqi. Alors, des fois, il fait l'istighfar pour ça. Et ce n'est pas des péchés.
Mais il voulait avoir toujours les hauts degrés. فالتوبة قد تكون لمحو أثر فعل غير لائق. والطفل إذا قال أستغفر الله قد معناه أيضا أذهب عني الخصال القبيحة. Si l'enfant il dit أستغفر الله, ça ne veut pas dire qu'il dit efface mes péchés. Peut-être l'enfant lorsqu'il dit أستغفر الله, on lui enseigne de dire pour dire voilà l'effet de certains actes qui ne sont pas bien. Parce que l'enfant il peut faire des actes qui ne sont pas bien, mais il n'y aura pas des péchés tant qu'il est enfant. Et il peut demander pardon dans le sens fait efface, oh mon Seigneur, efface l'effet de certains actes qui ne sont pas bien. لكن الصبي لا تكتب عليه حتى يبلغ لا تكتب عليه الذنوب حتى يبلغ أما الحسنات تكتب له. L'enfant s'il fait des actes qui sont interdits pour lui ils seront pas écrits péché, mais s'il fait des bons actes seront écrits comme lui des حسنات. ثم يقول الله أكبر السلام عليكم. Alors après le quatrième تكبير il fait le تكبير il dit السلام عليكم. هذا التكبير الرابع يجب c'est le quatrième تكبير. والأكمل أن يعود إلى الدعاء ولو أطال فيه. Le quatrième تكبير encore c'est bien de revenir à l'invocation même s'il prolonge après le quatrième تكبير. ومنه أن يقول اللهم اغفر لنا وله ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. Il dit ça encore. وأكمل السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. وبعض الشافعي قال ويزيد وبركاته. Alors le salam parfait, il dit السلام عليكم ورحمة الله. Et s'il dit وبركاته, encore c'est mieux. ولابد في صلاة الجنازة من شروط الصلاة وترك المبطلات. Dans la prière de la janaza, il faut respecter les conditions, il faut délaisser toute chose qui annule. يعني بدك تستقبل القبلة, بدك تستر العورة, ألا يكون على جسدك أو ثوبك نجاسة لا يعفى عنها, أن تكون على طهارة. Alors pour les conditions de la janaza comme les conditions de la prière, alors il faut avoir les ablutions du grand hadath et du petit hadath. Il ne faut pas avoir une impureté sur le corps ou sur les habits. Il faut se diriger vers le Qibla. Il faut couvrir la zone de pudeur. Kullaha shart. Wa alla yati bi mubtil, an ya'kul athna as-salat aw yal'ab. Il ne faut pas qu'il mange ou qu'il boit pendant la prière de janaza ou il joue. An yataharrak kathiran, ou il bouge trop. ويندب فيها فعل ما يندب في الصلوات. Alors ce qui est recommandé dans les cinq prières, c'est recommandé comme le fait de mettre la main droite sur la main gauche, le fait de lever les mains lorsqu'il dit Allahu Akbar, lorsqu'il fait le takbirat, le fait de dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الفاتحة. لكن لا يسن فيها الافتتاح. Dans صلاة الجنازة, c'est pas sunnah de dire وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ولا يسن فيها قراءة سورة. Et ce n'est pas une sunna dans la janaza de lire une surat après le fatiha. Alors, al-dafn, pour l'enterrement, il dit أَقَلُّ الدَّفْنِ حُفْرَ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَيُسَنُّ أَنْ يُعَمَّقَ قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَهُ وَيُوَسَّعُ وَيَجِبُ تَوْجِيهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَلَا يَجُوزُ الدَّفْنُ فِي الْفِسْقِيَّةِ. حنشرح ما هي الفسقيه. L'auteur a dit le minimum de l'enterrement, c'est un trou qui couvre et qui empêche l'odeur de sortir de ce trou ou de la tombe, et qu'il le préserve des animaux, des bêtes féroces qu'il n'arrive pas à creuser et manger ou consommer la, ou à dévorer le cadavre de ce mort. Mais c'est sunnah qu'il soit à la distance d'un homme qui est debout et il lève la main, qu'il soit profond. القبر يسن أن يعم قدر قامة وبسطة. Et on doit le mettre sur le côté d'une manière que la poitrine soit vers la قبلة. كأنه مضطجع وصدره إلى القبلة. والأفضل أن يكون على الجانب الأيمن سيأتي. C'est mieux qu'il soit à côté droite et la poitrine vers la قبلة. رأسه من هنا رجليه من هناك وصدره إلى القبلة. إذن الدفن الذي هو فرض على الكفاية حفرة تكتم الرائحة بعد طمه من أن تظهر وتحرس من السباع. C'est le minimum dans l'enterrement, un trou qui empêche l'odeur de sortir et qui le préserve des animaux féroces qui peuvent le manger la nuit, qu'ils arrivent à creuser. Alors non, il faut le mettre dans une tombe assez profonde qui n'arrive pas les animaux à l'attaquer et à dévorer son corps. وإن لم يمنعه إلا البناء أو الصندوق وجب. Si on n'a pas un moyen, les animaux ils arrivent à creuser
même si c'est 1,5 m ou 2 m. Alors, à ce moment-là, on met dans une caisse, dans un cercueil, ou on construit au-dessus de la tombe pour que les animaux n'arrivent pas à creuser. إن كان لا يمكن أن نمنع الحيوانات إلا بهذا بالصندوق أو البناء، يعمل له صندوق أو بناء. هذا الأقل. أما الأكمل أن يكون القبر واسع، يعني يسع الميت ومن ينزله ومعينه. Alors la tombe, c'est sûr qu'il soit un peu grand. Et qu'on arrive à descendre une personne, deux personnes pour le prendre et le mettre, le mort, et deux personnes pour le mettre dans le trou. وأن يكون قد رقام وسطه هي 4 أذرع ونصف، 4 coudées et demi، قد رقام وسطه 4 coudées et demi، عميق يعني plus que 1,5 m le profondeur. إذا كانت الأرض رخوة يشق له في وسط القبر، وإن كانت الأرض صلبة يشق له في الحائط، حائط جدار القبر. Si la terre elle est tendre, elle est sableuse, voilà, on met au milieu un trou et on met le mort dedans et par la suite on met des planches au-dessus. Et si la terre elle est dure, rocher, c'est dur, tu ouvres dans le mur de la tombe. Comme celui qui est le mur qui est en face de la Qibla, comme ici par exemple, ce trou-là, comme ça, tu mets et tu fermes comme ça. Hein? Tu mets dans le trou et tu fermes les briques comme ça. هذا اسمه لحد. Ça s'appelle لحد. النبي عليه الصلاة والسلام عمل له لحد. النبي عليه الصلاة والسلام, on lui a mis dans le لحد. On a ouvert le mur et on a mis à l'intérieur et on a fermé de cette manière. ويسن رفع السقف اللحد أو الشق. Il faut que c'est mieux que la hauteur de l'ahd soit un peu élevée. Comme ça rentre facilement. D'une manière qu'il ne touche pas le corps du mort. ويسقط وجوب الدفن في حالة وهي أن يكون الميت في السفينة فيتعذر دفنه في الساحل لأنه بعيد وإذا انتظرنا حتى نصل إلى البر يتغير فهنا يجعل بين لوحين ويربط ويوضع شيء ثقيل ويرمى في البحر. Alors dans le cas où la mort elle est dans la mer, elle est morte dans un bateau et c'est pas proche d'aller l'enterrer et que si on attend jusqu'on arrive vers la terre, ça va changer, ça va gonfler, ça va sortir une mauvaise odeur. Alors on met dans deux planches, on l'attache par ces deux planches et c'est mieux de mettre une pierre lourde ou quelque chose en métal ou lourd pour qu'il descend en bas. لكن لو لم si on n'a pas mis ça, يجوز. Si on a mis dans la mer sans mettre ça, يجوز. أما إن كان إيصاله إلى الساحل قبل التغير فلا يجوز إلقاؤه. Mais si on a pu le ramener vers la terre avant qu'il change, alors on n'a pas le droit de le jeter. Aujourd'hui, normalement, dans les grands bateaux, il y aura les chambres froides, tout ça, alors on peut le mettre dedans pour l'enterrer par la suite. ولا يجوز الدفن في الفسقية وهي بناء يجعل على وجه الأرض ويجعل له طيقان يضعون الميت في الطيقان. هذه النصارى يفعلونها، يضعون الميت هنا وهنا 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 وهنا، حتى بعض الأحيان العائلة فبيكون يدخلون واحد على آخر قبل بلاه، فهذا لا يجوز. Alors الفسقية c'est comme une chambre, ils mettent au-dessus de la terre, ou même si ils font sous la terre, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les morts comme des tiroirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils disent voilà la famille. Alors ça c'est haram parce que tu fais rentrer un mort avant que l'autre soit rangé et ça n'empêche pas l'odeur, tout ça. Alors c'est haram. C'est pas permis d'enterrer les morts de cette manière. Même si lui il a laissé un testament, mais pas ça. لكن لا يجوز حرقه، سي با بيرمي نون بلو دو لو بروليه. اليوم كثير من النصارى بهالبلاد وكذا بيحرقوا. بوكو دي كريتيان il brûle. لي جويف نو بروليه با، ils enterrent comme nous. Mais ceux qui brûlent comme croyance, c'est les hindous. Les hindous, ils brûlent et ils croient que ça va libérer son âme et ils le jettent. Le cendre dans
le Rang, le fleuve, grand fleuve en Inde, et il est l'eau le plus polluée sur Terre. Il dit c'est un l'eau bénie, mais c'est l'eau le plus polluée sur Terre. Et puis, avant, les hindous, lorsque un homme meurt, la femme, elle se brûle avec lui, hein, et ils la mettent comme dans un petit bateau, voilà, ils mettent du flamme, et puis après, ils brûlent les deux. Et leur État a interdit de faire ça, mais c'est ça leur religion. Dans leur religion, que c'est mieux que la femme se brûle. Et il y a même jusqu'à maintenant, certaines femmes hindoues, ils font, si son mari est mort, elles se brûlent avec lui. تقتل حالها بتحرق حالها معه لما بيحرقوه هو بتحرق حالها معه. هيدا من عقيدتهم، هيدا عندهم شيء عظيم. يستحلون أن تقتل المرأة نفسها إذا مات زوجها. إذا مات زوجها، يا لطيف. ويكره الدفن في التابوت إلا إذا كانت الأرض رخوة فلا كراهة. Alors c'est le mettre le mort dans un cercueil, c'est déconseillé. Les chrétiens, ils mettent toujours dans les cercueils, alors ça c'est déconseillé, sauf si la terre est très fragile et puis on a peur que ça tombe sur lui, alors à ce moment-là, on met dans un cercueil, il n'y a pas, c'est pas déconseillé. وقال المؤلف يجب توجهه إلى القبلة، يعني أنت بتحطه على الجنب الأيمن ويكون صدره إلى القبلة. Tu mets le mort sur le côté droit d'une manière que la poitrine vers القبلة. طيب إذا كان بعض الأحيان بالمقبرة ما بتكون هيك القبور. Des fois dans les cimetières dans les pays européens, et des fois c'est pas comme ça. وتكون مثلا كيف نحن هيك القبلة عنا إلى خلفي أنا. فإذا كانت القبور إلى هذا الاتجاه يوضع رأس الميت من هناك ويوضع تحته شيء من التراب حتى يكون مستقبل بوجهه. Dans le cas où le cimetière n'est pas bien orienté, supposons que la Qibla elle est derrière moi, alors on met le mort comme ça, la tête de l'autre côté, et on met un peu de la terre sous la tête, sous le cercueil du côté de la tête, comme ça. Et il sera comme lorsqu'il est mort, que lorsqu'il est mort, on le met dans cet état. La personne est morte, et on met comme ça. Alors dans la tombe, si le cimetière n'est pas un cimetière pour nous et on n'a pas pu l'enterrer comme il faut, on met dans cette manière. ويسن إذا وضع على جنبه أن يوضع لبنة خلفه حتى لا ينقلب. On met une pierre ou une brique derrière le dos pour qu'il ne tombe pas, on met quelque chose derrière lui. Il est un peu incliné comme celui dans l'inclinaison, un peu, pas beaucoup. Et on met un peu encore la tête sur le visage, comme une brique, comme un peu de la terre sous son visage. On y a à ceux qui le font rentrer dans la tombe, trois. ويقرأ إلا إذا خذنا شيء من التراب وقرأنا عليه سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر on met dans la terre dans le cercueil. C'est pas mal, mais il n'y a pas un hadith qui est rapporté بهذا. ويسن أن يقال بعد إتمام الدفن يا عبد الله بن أمة الله تروا فوا يا عبد الله بن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. Ça c'est une fois qu'on a un peu mis la terre sur lui, on le fait à التلقين. وهذا جاء عن بعض الصحابة. Ce hadith, cette parole-là, ça a été rapporté de certains compagnons. المرأة يقال لها يا أمت الله ابن أمت الله يا أمت الله ابن أمت الله. ابن حجر العسقلاني قال هذا حديث إسناده ثابت ويدل على أن التلقين وارد. هلا الشهيد لا يلقن، الشهيد الذي مات شهيدا لا يلقن لأن الله تولاه برحمته. الشهيد كما لا يصلى عليه لا يلقن.
طيب، فائدة المنقول عن السلف: السكوت من غير الذكر في حال التشييع، يعني lorsqu'on sort dans les funérailles on parle pas, on écoute, on médite, on sort en silence et on médite. لكن لو صار الناس يتكلمون، mais si les gens en train de parler tout ça, et quelqu'un il a dit أفلح من وحد الله، alors les gens ils disent لا إله إلا الله. Alors c'est mieux que le fait de bavarder, parler à droite, à gauche. Mais ce qui est rapporté sunna, c'est de maintenir le silence et penser à la mort. الذي ورد في السنة الصمت السكوت والتفكر في الموت. لكن الذكر خير من الكلام الباطل. هلا من الأحكام إنه قلنا الميت لا يوضع على بطنه في أثناء الغسل. On a dit le mort on le met pas sur son visage lorsqu'on lave. ومنها أنه لا يختن إذا هو كان غير مختون، لا نختنه بعد الموت، on fait pas la circoncision après la mort. ولا يحمل من غير نعش، il faut pas le porter sans cercueil, il faut le porter sans avec cercueil. إلا إذا كان ولد صغير، sauf si c'est un petit enfant, on peut le porter à la main, si c'est un petit enfant. أما le grand, il faut le mettre dans le cercueil. والمرأة الكتابية إذا كان زوجها مسلم وماتت حامل تدفن في مكان غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار. Si une femme parmi les gens de livre qui est enceinte et qu'elle est mort, يعني et l'enfant il est mort aussi, parce que si l'enfant on laisse 8 mois ou 9 mois ou 6 mois, on fait l'opération, on fait sortir, on sauve l'enfant. Mais si l'enfant il est mort, alors l'enfant il a le jugement muslim. Et elle est chrétienne, alors on ne va pas l'enterrer dans le cimetière des musulmans. Et comme l'enfant, il est le jugement musulman, on ne le met pas dans le cimetière des non-musulmans. On l'enterre dans une place à côté. Et هي لا تدفن في مقابر المسلمين. والمسلم لا يدفن في مقابر غير المسلمين، فيدفن في مكان غير ذلك. ولا يجوز من أحكام أن يفتح القبر قبل البلا. On n'a pas le droit d'ouvrir la tombe avant que le corps soit rangé. وهذا يعرف بحال أهل الخبرة وأهل البلاد. Ça dépend le pays et les gens qui connaissent. No, après 12 ans, après 15 ans. Il y a dans certains pays après 5 ans. بمكة والمدينة بسرعة le corps sera rangé. أما les pays froid, des fois 20 ans. Avant d'ouvrir la tombe, il faut laisser le corps soit rangé. ما فيك تفتح وهو بعده ما بلي الجسم. Il faut pas ouvrir la tombe et n'est pas encore le corps n'est pas encore rangé. هلا فيما لو on a dit 20 ans c'est bon, on a trouvé quelques squelettes, on les casse pas, on a trouvé quelques os, on les casse pas, on met à côté. Mais si on a trouvé le squelette complet, on ferme et on ouvre un autre. إذا وجدنا بعض العظام توضع في الجانب، أما إذا وجدنا الصدر والكذا وهيئة العظم هذا لا يحطم ويترك على ما هو عليه ويدفن غيره. والله سبحانه يفتح غيره ويدفن في غيره، والله أعلم وأحكم.